Mesdames, messieurs, les honneurs, les jockeys, les turfies, je sais très bien que le mot de sponsor, c'est la partie la moins intéressante de toute une soirée comme ça, donc je vais être très bref. Je vous souhaite tous un bon maiden et à dimanche. Merci. Passons sur la défaut dans un petit moment, le temps d'inviter M. William Chung, le président du Motion Stuff Club, à nous adresser quelques mots. Au nom du Motion Stuff Club, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir au Suffren pour le tirage au sort de la Phoenix Maiden Cup, la course classique la plus prestigieuse de notre calendrier hippie.
Mariana, le moment et la tension va monter bien sûr, alors qu'il y aura le traditionnel tour d'honneur avec la sortie des chevaux. Et on comprend pourquoi le sponsor du jour a choisi comme moto un moment de partage, un moment d'émotion. En tous les cas, je peux vous dire que le public vit vraiment déjà sa course avec la sortie de tous les chevaux sur la grande piste pour le traditionnel tour d'honneur. Eh bien, donc, ils seront 11 au départ. Cette épreuve ouverte de groupe 1 qui sera courue sur la distance classique de 2300 mètres. Eh bien, mesdames et messieurs, le traditionnel tour d'honneur derrière les tribunes officielles avec, bien sûr, les 11 chevaux qui participent à notre plus prestigieuse épreuve de la saison, la Phoenix Maiden Cup, qui sera disputée sur la distance classique de 2300 mètres. Et bien sûr, on va vivre certainement quelques beaux moments ici au Champ de Mars pour cette 159e édition de la Maiden Cup sous le parrainage de la Mauritius Breweries. Et voilà, c'est parti pour cette grande course de groupe 1, la Phoenix Maiden Cup, qui est bel et bien parti avec pour l'instant All My Jacket, mais très vite rejoint à l'extérieur par Solar Symbol, qui veut bien sûr prendre son train à son compte avec Naughty Prince également. Très bien parti, mais Solar Symbol insiste pour le commandement devant Naughty Prince. Sebastian se montre du pas également. Ensuite, il y a Frost qui se retrouve à l'extérieur de Captain Stock dans leur sillage. Il y a All My Jacket, Winter Weather, Just Banter, Pick Six. Ensuite, Senor, Versace avec Timog qui est en queue du peloton alors que les chevaux tournent pour la première fois. Eh bien, c'est le lauréat 2009 qui montre la direction des opérations avec deux longueurs d'avance. Solar Symbol est en tête avec Rajuro en ancelle en deuxième position. Britton Debbie et Naughty Prince à son extérieur. Sobester qui tire quelque peu. En quatrième position, nous avons Captain Snock. Et puis à son extérieur, Frusk courant en plus à l'intérieur de la piste. À l'extérieur de la piste se trouve le cheval Winter Weather. Puis nous avons Jess Benter, Hall, Matt Jacket à son intérieur. Pick Six et Sinor Versace. Et en dernière position, Frusk. On est en pleine montée avec Solar Symbol qui montre toujours la voie. Il est rejoint par Winter Weather en troisième position sur le côté Cordia. Naughty Prince est accompagné par Sobester. Captain Stock est tout juste derrière en compagnie de Frusk. Ensuite arrive All My Jacket, Just Banter, Pick Six, Senor, Versace et toujours Timog en queue du peloton. Et oui, alors que Timog se trouve en dernière position en tête de la course, nous avons Solar Symbol à son extérieur. Winter Weather, Frusk amorcer son attaque à l'extérieur avec Robbie Berg en selle pour essayer de mieux se placer. Puis nous avons Naughty Prince, Captain Snock. Sobester se trouve en 7e position à l'extérieur. Il y a Jess Bent à son intérieur, All My Jacket, alors que Timog arrive actuellement. Signor Versace est en avant en dernière position. Et en dernière position pour l'instant, Pick Six. Il ne reste plus que 500 mètres environ à parcourir. Solar Symbol sérieusement accroché par Frusk qui passe à l'offensive avec Naughty Prince toujours bien placé. Timog est lancé par Glenna. Captain Snock reste bien dans le coup. Signor Versace également à déboîter à l'extérieur. Les chevaux tournent en pleine ligne droite finale avec Solar Symbol qui tente de repartir avec à l'extérieur. Il y a bien sûr Captain Stock, c'est Nord Versace également là, mais Captain Stock a mis le nez devant. C'est Nord Versace tente d'arriver, mais Captain Stock va les remporter le Maiden. Captain Stock devant c'est Nord Versace. Captain Stock s'impose et remporte le Maiden.
last night I awoke out from dreams of tall cascading fountains of love, soft as any dove. It's you I'm dreaming of with rivers of love flowing from above, knowing only of rivers of love.